Vous vous souvenez de la période bubblegum pop du début des années 2000? Qui ne s'en souviendrait pas? C'était la grande ère des boys bands. Tout le monde chantait leurs morceaux, les choix vestimentaires étaient incroyablement discutables et évidemment, les groupes de filles dominaient les ondes. C'était vraiment un moment à vivre, même si pour certains, cela ressemblait à un immense rêve parodique. Concernant le groupe de filles Dream, leur parcours était aussi rêveur que leur nom. Mais comme toutes les bonnes choses, cela a finalement dû prendre fin, nous laissant alors de nombreux souvenirs gravés sur des posters et sur la pellicule de vos appareils photo jetables Kodak. Alors préparez vos chouchous, votre fard à paupières bleues et vos pinces papillons et plongez avec nous dans l'univers de l'un des nombreux groupes de filles infructueux de Bad Boy Records, le groupe de filles à sensation de Didi, Dream. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Dream. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout cela n'était qu'un rêve, littéralement pour les 4 jeunes membres de Dream et pour Didi qui a atteint son objectif de créer un groupe de filles entièrement blanches afin que les filles pop puissent les admirer et danser sur leur musique. Bien qu'il ne les ait pas exactement créées, il les a guidées. Dans le tourbillon du girl power se trouvait Judith Fontaine, une dénicheuse de talent avec un sens du potentiel et un cœur pour les harmonies. Lorsque Judith est tombée sur Ashley, Holly, Melissa et Alex, qui constitueraient le groupe de filles parfait pour les jeunes, elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial à faire avec ces 4 filles. Elles avaient le talent, la détermination et la synergie nécessaires pour affronter le monde de la musique pop. Fontaine a donc joué un rôle déterminant en encourageant les filles et en leur offrant l'occasion de briller sous les projecteurs. En 1998, à l'âge de 13 ans, Ashley Poole tombe sur une publicité télévisée à la recherche d'actrices. La publicité affichait le numéro 1-800 et Ashley a décidé d'appeler, réservant ainsi sa propre audition. Même si elle n'a pas été sélectionnée pour le rôle d'actrice, d'autres auditions se préparaient dans le même bâtiment et on lui a suggéré d'auditionner pour Debbie Fontaine, la fille de Judith Fontaine. Ce soir-là, Debbie organisait des auditions pour un groupe de filles devant faire ses débuts sur son propre label Clockwork Entertainment et a été impressionnée par Ashley lors de son audition. À ses côtés se tenaient Holly Blake Einstein, 13 ans, Melissa Schumann, 14 ans et Alex Chester, 13 ans. Elles ont commencé à enregistrer sous le nom de First Warning avec des démos comme Baby Miss You et Do You Want to Dance. Cependant, avant même que le groupe puisse faire ses débuts, Alex a finalement été remplacé par Diana Ortiz, 13 ans. Selon un article de blog écrit par Alex en 2017, on leur a demandé de signer un contrat d'enregistrement sans que leurs avocats ne l'examinent. Mais la mère d'Alex n'était malheureusement pas disposée à accepter ces conditions. Vincent Herbert et Kenny Burns étaient les producteurs du mix, opérant ainsi leur magie sur le mix à l'époque. Mais voilà le problème, Vincent avait un autre plan en tête et aurait fini par trahir tout le groupe. Son plan machiavélique, les éloigner de Debbie et prendre la relève en tant que manager. Selon Alex, Vincent Herbert était un gâchis toxique provoquant des drames à gauche et à droite. Il parlait négativement d'une fille à l'autre, attisant les conflits et répandant une énergie négative entre les filles. Et maintenant que nous savons ce que nous savons sur Tamar Braxton, désormais ex-femme de Vincent qui a été renvoyée du talk show de jour The Real, je mentirais si je disais que je n'étais pas du tout méfiant à son sujet. Le co-animateur du talk show, Lonnie Love, a même accusé Vincent lors d'une interview d'avoir répandu de fausses rumeurs sur les autres filles. Tamar aurait tout fait pour écarter Melissa Schumann, autre fille du groupe Dream, après que celle-ci ait réitéré les affirmations d'Alex des années plus tard. Rapidement, Tamar s'est emparée des réseaux sociaux, jetant ainsi de l'ombre sur Melissa pour ses déclarations précédentes. Tamar, adoptant son ton impertinent caractéristique, a remis en question les motivations et la crédibilité de Melissa et lui a recommandé pour sa propre sécurité de trouver quelqu'un d'autre avec qui jouer à ça. La querelle a pris des proportions encore plus grandes avec les fans des deux camps se lançant avec passion dans la mêlée. Malgré le drame, le producteur Kenny Burns ne s'est pas laissé décourager par la tourmente. Après que lui et Vincent aient pratiquement arraché Dream des griffes de Debbie Fontaine, il a fait de son mieux pour sauver le déclin du groupe. Et il a réussi à leur assurer une audition avec nul autre que Sean Diddy Combs.
Et ce n'était pas une mince affaire, car Didi était l'artiste le plus en vogue à l'époque et était bien connu pour son goût exigeant en matière de talent. Après une performance angoissante devant le mania du hip-hop, les filles ont été à la fois choquées et ravies d'apprendre qu'elles allaient être les premiers artistes blancs signés sur Bad Boy Records. N'oublions pas que Bad Boy Records était connu pour sa liste d'artistes majoritairement noirs. C'était donc une véritable histoire en devenir, même si cela a duré que quelques secondes. Travailler avec l'un des plus grands boss de la musique est une étape majeure pour quiconque, sans parler du fait que c'était quatre filles californiennes, mais contrairement à leur fard à paupières bleues chatoyant à la mode, tout ce qui brille n'est pas or, ou bleu dans le cas présent. Alex Chester, une des membres originales, a révélé son expérience exténuante de travail durant de longues journées de 12 heures. Elle a été forcée de suivre un régime alimentaire extrême et un programme d'exercice physique, courant 10 km par jour en plus de danser pendant 4 à 8 heures. Son apport calorique était constamment surveillé, son tour de taille scruté et son poids enregistré quotidiennement. Toute prise de poids signifiait travailler encore plus dur et manger moins. Heureusement, alors que Dream était sur le point de décoller, Alex a décidé de se réveiller de ce mauvais rêve. En effet, les producteurs voulaient que le groupe signe un contrat d'enregistrement sans permettre à leurs avocats de l'examiner. La mère d'Alex a alors, à juste titre, refusé de laisser sa fille de 15 ans prendre une décision aussi stupide. Face à cet ultimatum, Alex a dit que sa mère lui manquait à cause de son quotidien d'esclave et elle a choisi de ne pas signer. Juste au moment où Dream montait sur l'Olympe de la musique pop, elles ont sorti leur single He Loves You Not. La chanson a fait sensation du jour au lendemain, faisant ses débuts à la stupéfiante place numéro 2 du Billboard Hot 100. Les filles ont donc bel et bien percé le code du succès que seuls des boys bands avaient déverrouillé, comme The Backstreet Boys et NSYNC, dont Dream était évidemment inspiré. Elles avaient trouvé le bon rythme et le succès était si proche qu'elles pouvaient presque le toucher. Mais un obstacle majeur s'est dressé sur leur chemin. Une géante qu'ils ne pouvaient pas renverser. Beyoncé Giselle Knowles Carter. Plus particulièrement, le groupe de filles Destiny's Child. Leur single en tête des charts, Independent Woman, dominait les ondes radio. Et malgré le succès phénoménal de He Loves You Not, Dream s'est retrouvé bloqué de la très convoitée place de numéro 1 par DC3. Didi et le groupe ont donc laissé Alex s'en aller et ont accueilli à la place Diana. Dream s'est ensuite hissé au sommet des charts pop presque aussi rapidement que le groupe s'est reformé. Elles étaient même le tout premier groupe de filles à être contraint de se retirer du compte à rebours de MTV Total Request Live. Mais après leur voyage éclair vers la gloire, leur succès s'est soudainement arrêté. En effet, leur premier single, He Loves You Not, a pris d'assaut les charts, passant 65 jours sans précédent sur le compte à rebours Total Request Live. Elles étaient sur une lancée où rien ne semblait pouvoir les arrêter. Elles étaient les favorites des charts et les filles vivaient leurs rêves éveillés. Mais plus elles montaient, plus la chute serait difficile. En effet, l'industrie musicale peut être un endroit brutal pour n'importe qui, en particulier pour les jeunes filles. Et après tout ce succès, les filles se sont retrouvées épuisées et surmenées. Les critiques n'étaient pas non plus favorables à Dream. Leurs performances ont été comparées à un concours de beauté désastreux, une comparaison qui n'était pas censée flatter. Les critiques ont estimé que le groupe manquait d'essence et de diversité, et les ont même qualifiées de douloureusement blanches en faisant des remarques racistes telles que « elles ne pourraient pas être plus blanches ». La réaction a été vraiment violente. Il est intéressant de noter que ce sentiment n'était pas seulement une opinion publique, cela a également été repris dans les coulisses. Même les personnes impliquées dans leur propre équipe de production ont commencé à remettre en question la direction que prenait le groupe, jetant ainsi l'ombre d'un doute sur l'avenir de Dream. La bulle dans laquelle vivaient les filles avait finalement éclaté et la réalité de leur situation commençait à se faire sentir. En effet, l'industrie musicale n'était pas aussi indulgente qu'elle l'avait cru. Pourtant, les filles ont persévéré. Ce n'est pas comme si elles avaient vraiment le choix, étant donné le contrat qu'elles ont signé. Elles ont donc eu l'expérience exaltante de se produire en live pour la première fois en première partie de la tournée No Strings Attached de NSYNC. Pas vraiment étonnant, étant donné que Didi les commercialisait comme la version féminine du groupe principal de Justin Timberlake. Il y avait même des poupées et des tenues à leur effigie afin de commémorer leurs chansons à succès.
Le 23 janvier 2001, après avoir sorti un seul single, leur premier album studio It Was All a Dream, inspiré par feu Biggie Smalls, est devenu disque de platine et s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires. Cela a marqué un autre triomphe pour Didi, puisque ces deux groupes de filles, Dream et Total, ont atteint le statut de vente de platine avec leurs premiers albums. Elles étaient ainsi présentées au monde entier sous l'étiquette « Le groupe de filles de Puff Daddy, Dream », un titre qui entraînait autant de pression que d'intrigue. Cependant, à mesure que les rideaux se levaient, il est devenu évident que le mentorat idéal qui leur avait été promis par Puff Daddy lui-même n'était en fait rien de plus qu'un mirage. Bien que son nom soit attaché au projet, son implication fut minime. Et la transformation était évidente avec la sortie de leur prochain single, This Is Me. Parées de look pastel, les filles ont affiché une dualité passionnante dans leur style et leur musique a trouvé un écho auprès de leurs fans. Le clip a fait ses débuts à la place numéro 1 sur Total Request Live de MTV, reflétant la popularité et l'anticipation généralisée de leur nouveau son. À ce stade, elles n'étaient pas étrangères à la scène de Total Request Live, s'y produisant à plusieurs reprises et consolidant ainsi leur place dans la culture pop. Le point culminant de leur voyage est survenu lorsqu'elles se sont lancées dans la tournée Total Request Live, partageant ainsi la scène avec d'autres groupes féminins de premier plan de l'époque, comme Destiny's Child et 3LW. Avec le recul, leurs débuts ont été tout simplement phénoménaux. Elles ont connu le succès, jouissent d'une immense popularité et ont laissé une marque indéniable sur l'industrie musicale. Mais comme elles le découvriront bientôt, le succès dans l'industrie musicale est inconstant et le maintenir s'avérerait être un défi bien plus grand. 8 mois après les débuts de leur album, la promotion est brusquement interrompue en raison des événements du 11 septembre. En avril, Melissa Schumann a quitté le groupe et a été remplacée par Casey Sheridan qui a contribué au chant de leur deuxième album. Le premier single du deuxième album, Crazy, a pris une direction plus urbaine, s'écartant ainsi du concept original d'innocence pop girly. Malheureusement, le public n'était pas au rendez-vous, ni avec le nouveau son, ni avec l'image sexy et fine des filles. Les filles méprisaient également absolument cette direction, et en raison du manque d'intérêt du public, Dream fut finalement exclu de leur label. Leur deuxième album, Reality, ne verra ainsi jamais le jour. Il bénéficiera tout de même d'une sortie limitée des années plus tard et a été brièvement disponible sur iTunes en 2008 avant d'être supprimé. Melissa, de son côté, s'est essayée au jeu d'acteur, notamment dans le film de 2003 Love Don't Cost a Thing, aux côtés de Nick Cannon et Christina Milian. Elle est également apparue dans le téléfilm The Hollows avec un ancien membre des Backstreet Boys, Nick Carter. Des années plus tard, au plus fort du mouvement MeToo en 2017, Melissa fait la une des journaux après avoir accusé Nick Carter d'agression alors qu'elle avait 15 ans et Nick 22 ans à l'époque. Nick a nié ces allégations, mais l'affaire a eu l'effet d'un tsunami provoquant ainsi une onde de choc dans toute l'industrie. Elle a ensuite publié son histoire émouvante sur internet, détaillant l'expérience obsédante qu'elle aurait vécue sous l'emprise de Nick. Malgré les réactions négatives potentielles et la peur des représailles, Melissa a décidé qu'il était temps de briser son silence en espérant que sa décision de partager son histoire encouragerait d'autres victimes à se manifester et à dénoncer les abus généralisés au sein de l'industrie. Dream a donc réalisé son rêve de devenir un groupe de filles à succès, mais s'est réveillé avant l'apogée. Les membres, Diana, Melissa et Ashley, ont ensuite formé un groupe éphémère appelé Lady Phoenix. Malheureusement, leur aventure musicale n'a pas pris d'ampleur. Tandis qu'Ashley maintenait sa foi chrétienne, elle luttait contre ses propres addictions cachées. D'un autre côté, Diana a complètement quitté la scène musicale et est ensuite devenue militante du mouvement LGBT. Holly a poursuivi des études supérieures, obtenu une maîtrise et travaille à présent comme ergothérapeute. Le groupe s'est néanmoins réuni en 2015, sortant ainsi son premier single en 13 ans, I Believe, le 5 août 2015, avant d'annoncer à nouveau la dissolution du groupe en 2016. Ashley a accueilli des jumeaux avec son mari, qui se trouve justement être le frère d'un membre éphémère du groupe, Casey Sheridan. Malheureusement, certains des membres du groupe de filles n'étaient tout simplement pas disposés à faire les sacrifices nécessaires pour réussir dans l'industrie musicale. Dans une tournure intéressante des événements, Debbie Hammond de Clockwork Entertainment a tenté de faire revivre l'héritage de Dream avec une nouvelle programmation. Elle envisageait de créer un groupe de filles frais et dynamiques qui pourrait captiver le public tout comme la Dream Team originale.
Les principales prétendantes à la relance de la franchise Dream n'étaient autres que Jordan McCoy, connu pour son passage dans American Juniors, et Hunter Pecunia, une autre jeune chanteuse talentueuse. Le duo était prêt à apporter une nouvelle énergie à la marque Dream en lui insufflant son ambiance jeune et ses prouesses vocales impressionnantes. Cependant, à la grande déception des fans attendant avec impatience la résurgence de leur groupe de filles bien-aimées, le projet ne s'est jamais concrétisé. Les raisons restent entourées de mystères, laissant beaucoup spéculer sur ce qui aurait pu se passer si Dream avait été relancé avec succès. Dans le grand schéma de l'histoire de la pop, l'étoile de Dream n'aura brillé qu'un bref instant. Suite à l'échec de la tentative de renaissance, les membres de Dream se sont séparés, traçant chacune leur propre chemin. Melissa continue de faire des vagues en tant qu'artiste solo, pendant que les autres se sont relativement retirés des feux de la rampe, menant ainsi une vie plus calme, loin du luxe et du glamour. Le groupe Dream n'existe peut-être plus sous la forme qu'il avait autrefois, mais son impact résonne et son héritage est immortalisé dans l'esprit de ceux qui se souviennent des douces harmonies de He Loves You Not. Tel un rêve, le groupe a été éphémère, une évasion temporaire de la réalité, mais a laissé une marque indélébile qui continue de résonner dans les annales de la culture pop. Et vous, pensez-vous que Dream aurait pu connaître un succès bien plus grand? Ou pensez-vous que leur chance de connaître une carrière à succès était vouée à l'échec dès le départ, suite aux rumeurs avançant que Didi avait créé ce groupe juste pour le plaisir de le dissoudre par la suite? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!